Coucou tout le monde. Alors, je viens faire le tirage de la semaine, d'accord? Donc, d'aujourd'hui à dimanche, du 2 au 8, voilà. Malheureusement, la semaine est déjà commencée. Je voulais venir faire hier, mais je n'en ai pas eu le... Voilà. Le temps, parce que c'était l'anniversaire de Maria et de Mathias, voilà, puis j'en ai pas eu l'envie non plus. Donc c'est pas grave, on va la faire aujourd'hui, on est encore lundi. Je vais commencer avec mon jeu, et donc c'est un tirage monde, d'accord? Par contre, je sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, j'avais vu un homme qui travaillait dans un labo, du secteur médical et tout ça, qui allait annoncer des vérités, enfin voilà, avec l'aide d'une femme, ou je ne sais plus quoi. Eh bien, regardez dans ma communauté, je vous ai mis quelque chose, voilà. Sur Bilbil, GAT, voilà, d'accord, le gâté, ok. Moi je dirais plus le raté, mais là c'est avec le nom, vous allez comprendre, le gâté. Voilà, donc, sa femme, d'accord, a coopéré avec les Verts, ok, pour le mettre sous les verrous. Ça s'est passé le 27 juillet, voilà, les amis. Bon, allez. Vous voyez, j'avais vraiment pas envie de faire le tirage. On a mis ça aujourd'hui sur mon mur. Puis voilà. Vous t'as vu? Et on continue. Et bim boule. Alors, on a le mensonge, hein, l'homme menteur, manipulateur qui recule devant rien. D'accord? Vous voyez qui c'est, hein? Et à côté, on a la bienveillance et la compassion. Bah oui, vous savez qu'il est parti. Qu'il est parti en voyage. Bon, allez, on se concentre. Que pouvez-vous nous dire pour la semaine du 2 au 8 août dans le monde entier, s'il vous plaît? Alors, on a l'automne. Entourage précieux. D'accord? Voilà. À moins de devoir batailler pour trouver sa place. C'est exactement là où on en est, d'accord? Voilà. Bon, il va falloir s'adapter, négocier et puis s'imposer pour harmoniser nos échanges. On a l'Amérique du Sud. Voici. Ensuite, on a la clé. Donc, découverte, solution, décision. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui arrive de l'Amérique du Sud? D'accord? En tout cas, on va trouver une solution au problème. On a les empreintes, donc quelque chose qui va laisser des traces, d'accord? Voilà. Il y a le bateau aussi. Donc, contact avec l'étranger, quelqu'un qui essaye de s'évader, mais si on a un contact avec l'Amérique du Sud, c'est ça, hein, voilà. Et on a la jeune fille, 16-30 ans. Avec des capacités, des énergies. Donc, une jeune fille aux cheveux clairs. L'Amérique du Sud aussi qui pourrait prendre des décisions, hein, d'accord? Voilà, qui laisserait des traces. Alors, pour le monde, hein, du 2 au 8. Alors, il y a le calme, repos, sérénité, voilà, la campagne. On a la compassion, pitié, empathie, sensibilité, voilà, sympathie. Mais on a aussi des mauvaises nouvelles, hein, quelque chose de triste, d'accord? Mauvaises nouvelles. Par rapport encore une fois qu'on va nous voler quelque chose, qu'on va être privé de liberté. Et avant, on a la campagne, hein, quand même. Donc, attends. Attention, il faut reprendre nos racines, d'accord, nos traditions, et donc ne pas se laisser faire, hein, ok, pour qu'on puisse retourner au calme. Alors, quand même pas qu'ils vont nous confiner cette semaine, non, je pense pas. Bon, après, il est possible, hein, s'il y a des vérités qui sortent de l'Amérique du Sud, là. C'était ça, l'Amérique du Sud, ouais. Attention, hein, d'accord.
Parce que là, ça bouge quand même, mine de rien, vous avez vu. Bon, les gens sortent encore plus le samedi. Mais il commence à y avoir de plus en plus de monde, d'accord? Et un peu partout, hein. Alors, pour la semaine du 2 au 8 août, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, on a la richesse. Donc, encore une fois, vous voyez, après, avec la pile, hein, on nous prive de liberté, tout ça, voilà. C'est tout ça pour l'argent. Donc, ça doit être par rapport au pic-pic, hein, voilà. Voilà. Vous savez que c'est que pour ça, d'accord? Donc là, moi, avec la dernière rangée, il serait bien pour parler de nous confiner, d'accord? Tout ça que pour le fric, que, donc que pour les pic-pics, voilà. Et nous faire croire que il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir retrouver le calme. Mais ce n'est pas vrai, hein. Faites attention, gardez vos traditions, vos valeurs, d'accord? Voilà, vos racines. On a l'abondance. Ressources, aisance, nécessité. Alors, 2 au 8, s'il vous plaît. 2 au 8 août, pour le moment, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire? Hop, voilà. Bon. Il y a flamme et feu, ça va chauffer, d'accord? Ça va vraiment être. Ah, voilà, sortir nos forces, d'accord? Ça va être une nécessité sur leur plan de machin chouette, d'accord? Bon, on va quand même regarder. Tout ça va être un trafic. Alors, c'est pour eux peut-être. Ça va être la dernière ligne. Ça va être une nécessité de détruire, d'accord? Mais ça sera qu'un trafic. Ce sera de la manigance pour le profit. Donc, cette semaine, on risquerait de parler des attentats et patati, patata. D'accord? Ah, mais regardez, en même temps, l'isolement. On a l'ennemi. À moins qu'il y ait encore quelqu'un qui se fasse enfermer cette semaine. Parce qu'on a quand même l'hôpital, la prison, hein, d'accord? Une épreuve, hein, sur des manigances. Sur la manigance de l'argent. Hein. Bon, en tout cas, il y a des choses qui vont s'éclairer. On va apprendre des choses, d'accord? Il faut voir aussi les problèmes sous un autre angle. Il faut méditer beaucoup, c'est-à-dire examiner bien les choses avant de prendre une décision, d'accord? Avant de vous projeter. Il faut bien réfléchir. Il y a des choses qui sont en train de se combiner, d'accord? Une nouvelle initiative. Il y a aussi le verdict. Donc des décisions qui vont être prises pour faire des déclarations. Alors c'est encore un peu le brouhaha, mais ils ne savent pas où ils sont eux-mêmes, hein, d'accord? En tout cas, il est possible qu'il viendrait des déclarations par l'Amérique du Sud ou quelque chose environnement. Alors, ensuite. Jeu de hasard, lettre, don, occasion. Alors, peut-être que il y a des infos qui vont circuler. D'accord? Alors, on a la force. Force physique et morale. Résistance, bon caractère. On a la reine d'épée. Père, tristesse, pauvreté. Donc, pour moi, si on garde nos forces, hein, d'accord? Eh bien, les autres perdent, hein, si c'est comme ça. Concentration,
Patience, étude. Faut rester concentré, d'accord? Être encore un peu patient et prendre connaissance de certaines choses. Il y a des surprises qui nous arrivent par rapport à cette tromperie. Allez, ne me faites pas tomber les cartes, s'il vous plaît. Je vais les choisir. Bon, d'accord. En tout cas, là, j'ai l'as d'épée. Vous voyez, grossesse, bonne récolte et obstacle surmonté. Allez, hop, je m'arrête là. Parce que sinon, ils vont me refaire tomber plein de cartes. Alors, j'ai le valet de coupe, désir, séduction, distraction. On a l'alchimiste, frénésie, déséquilibre, incohérence. Ensuite, on a les oiseaux et les poissons, certitude, fondement, confiance, concours, avec le repos. La consultante, amabilité, réceptivité, imitation. Donc moi, je dirais que pour nos distractions, tout ce qui est passe-partout, d'accord? C'est complètement incohérent et déséquilibré. C'est seulement avec le concours, ils essaient. D'accord? Voilà. Et ils essaient aussi d'imiter d'autres pays. Seulement, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Alors ensuite, on a... Oh, bah, alors là, bon, bah, je l'ai mis à 3 là. Parce que sinon, après, ça ne veut rien dire. Voilà. Alors, on va les reprendre après. Alors, regardez, sur valet de coupe, désir, séduction, distraction, on a l'ermite. Corruption, trahison, hypocrisie et déloyauté. D'accord? Donc, ce qu'on essaye de vous imposer pour avoir le trop de vous distraire, d'accord? Tout ça, c'est que de la trahison. C'est de la corruption. Sur l'alchimiste, on a le démon. Faiblesse, douleur, indifférence, abandon, énergie négative. Vous voyez, tout est déséquilibré, tout est incohérent. Et avec le démon, l'indifférence, l'abandon, d'accord? Ben, on voit bien par là, Pinocchio est parti, hein, d'accord? Parti en voyage, lui. Le temps que... Ça prouve bien que il n'y a rien de normal, ok? Que c'est complètement incohérent, ça ne va pas. Par contre, sur leur concours, là, sur leur... ce qu'ils ont voulu mettre en place, leur passe-partout, leur picouse et tout le train-train, là, on a... pour eux, c'est un concours, d'accord? Ils ont voulu gagner. Bon. Le problème, c'est que dessus, on a le 10 de bâton. Donc, les obstacles, les désillusions, d'accord? Et la réclusion. Dessus, on a l'as de coupe. Donc, bonheur, abondance, réunion, invitation. Donc, il y en a qui se réunissent pour les bloquer, d'accord? Pour les enfermer. Vous voyez, tout est incohérent. Ils sont obligés de s'en aller, de faire l'indifférent, une fois qu'ils ont semé la merde. Voilà. Comment ça se passe? En tout cas, vous voyez, on a sur le repos, on a le 4 de bâton. Association, fête, admiration et joie. Bon, comment vous dire? Ça, c'est le peuple hein, pour moi. Ok?
qui se réunit, qui s'associe. Ok? Et vous voyez, même dans les rues, ils arrivent à faire la fête. Alors, conclusion. Du 2 au 8 août, s'il vous plaît. Le monde. Complications, immobilité, litige, négligence. Attention, il faut vraiment faire attention. Vous voyez, ils essayent encore de nous immobiliser. Encore il va y avoir des complications. Dessus, on a le roi de coupe, malhonnêteté, altération, tromperie, vol imminent. Est-ce que, encore une fois, il ne nous reparlerait pas de confinement, hein? Parce qu'avec l'immobilité, les vols imminents, sur la tromperie et tout ça, attention. Après, il est possible aussi que c'est eux hein, qui ont des complications, d'accord? Et qui vont être immobiles. Et on a le 3 de coupe, conclusion, entreprise, voyage et soulagement. Donc en fait, ils vont essayer, pour moi, ils vont essayer de nous parler de confinement. D'accord? Mais, ils n'y arriveront pas. Amour, perfection, attirance et joie avec le 2 de coupe et le 8 d'épée. Incident, inquiétude, trahison. Ouais, moi, je pense qu'il pourrait essayer de me reconfiner, hein, mais ils vont avoir un problème, parce que le peuple va se réunir, et ça va pas le faire. Ils vont, le peuple va se perfectionner hein, dans ses manifestations, voilà, donc... ça n'ira pas pour eux. Ça ne fonctionnera pas. Alors, pour la semaine du 2 au 8 août, s'il vous plaît. Oula. Alors, voilà, on a la découverte. Vous voyez, on va découvrir des choses sur leur manigance. Il y a des nouveaux projets qui sont en cours. Bon, même s'il a fallu attendre que ça a stagné. Il y a l'emprisonnement et il y a la femme. Donc après, c'est peut-être ça, hein, vous avez vu, la découverte, l'emprisonnement, tout ça, qu'il a fallu attendre et tout ça, et la femme, c'est peut-être justement ce que je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'est passé le 27 juillet, voilà, mais qu'on a su aujourd'hui, je ne sais plus, j'ai pas regardé en fait, quand cet article est sorti, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, faut pas oublier qu'on est dans la semaine, voilà, du 2 au 8, et moi je viens d'apprendre aujourd'hui, donc, alors, on a l'été. Donc, on va découvrir quelque chose. Ils ont des nouveaux projets pour cet été. En plus, sur l'attente, la stagnation, l'emprisonnement, on a l'automne. Donc, vous voyez, il a fallu attendre, hein, mais ils sont en perte. Hein, voilà. Ils vont être emprisonnés. Et on a quand même pour nous la pyramide. Il est possible aussi qu'on arrive à débloquer les choses fin été, début d'automne. D'accord? Moi, je pense vraiment que ça va vraiment, vraiment, vraiment bouger à la rentrée des classes. Parce que n'énervons pas trop les Français. On est encore pendant les vacances. Il y en a qui s'en vont en vacances. Hein? Et en revenant de vacances, peut-être qu'ils vont se réveiller parce que ça va toucher les enfants. Hein. D'accord? Alors, on a la vieillesse, les parents, vous voyez? Voilà. Encore une fois, ça risque de retoucher les personnes âgées. Attention, idées mélancoliques. Accident et mort. D'accord? Ce qui fait que, attention,
les personnes âgées, les parents, tout ça, d'accord? Il y a des risques, hein, ok? Donc, alors, pour moi, je dis que vous voyez, cet été, on nous oblige, je passe partout, on nous oblige les pécouses, d'accord? Je vous ai toujours dit, attention, cet automne, ça va, malheureusement, nous faire perdre des gens qui n'ont pas voulu nous écouter, d'accord? Donc, regardez la vieillesse, les parents, tout ça, ben voilà, hein, ça va être difficile à supporter, ok? Mais on dira, hein, que c'est des décès accidentels, que ça n'a rien à voir avec la psychose. Attention. Alors, il y a longtemps qu'on n'a plus sorti ce jeu-là, mais ça fait 3 jours que je l'ai mis sur mon bureau. Alors, les vies antérieures, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour la semaine du 2 au 8 août, s'il vous plaît? Après, ce qu'il est possible aussi, hein, c'est qu'on arrive à la fin, d'accord? Comme je vous ai dit. Et regardez le Pinocchio qu'il est parti en voyage. D'accord? Donc, il est possible aussi qu'il se fasse emprisonner, mais qu'on nous fait croire qu'il est mort d'un accident. Alors, c'est compliqué, voilà, à interpréter, mais après, c'est beaucoup de monde. Ils vont faire ça avec tout le gouvernement, à mon avis. Voilà. C'est un peu compliqué à interpréter, parce que vous savez, hein, que c'est de toute façon, c'est complètement déséquilibré et incohérent, n'oubliez pas, voilà, hein, on l'a sorti. Mais il ne faut pas oublier aussi que tout ce monde, hein, voilà, ils vont arriver à ça. Hein. Ok? Alors, on a, regardez, Galactique. Guerre et bataille. Et regardez où. Navire. D'accord? Donc c'est encore, attention, c'est encore le nettoyage. Vous savez qu'on me parlait encore de l'eau. C'est encore le nettoyage là-dedans. Alors, on a scribe ou écrivain. Et on a les galactiques, hein, d'accord? Donc, on a l'aide de l'univers, hein, ok? Mais tout ça, de toute façon, regardez, c'était écrit, hein, d'accord? Tout était prévu, hein. Ok? Donc, il ne faut pas tomber dans les pièges. Alors, je vais ressortir quelques cartes parce que vous avez vu que c'est brouhaha. En plus, si on était vraiment. Regardez cette carte qui vient de se lever. Hein, je ne sais pas si vous la voyez. Regardez. J'ai voulu poser ma boîte et une carte qui s'est levée. Attention. Faites attention. D'accord? Je ne le répéterai jamais assez. Hein. Alors, les trolls, vous pouvez vous foutre de moi. Mais il y a beaucoup de choses que je dis et qui arrivent. Ok? Alors, continuez, moi j'en suis. Demandez au pape de l'intuition pour la semaine du 2 au 8 août, s'il vous plaît. Alors, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change, d'accord? Donc malheureusement, il va y avoir un chaos et ça on le sait. Il va falloir vous rendre disponible au changement. Il va falloir vous rendre aussi disponible à ce chaos parce que ben, on n'a rien sans mal. On ne sera pas servi sur un plateau d'argent sans, c'est plus que miettes. Voilà. Le ressenti, ce que vous ressentez
profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, d'accord? Et on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, il faut passer par le chaos, il va falloir se rendre disponible, d'accord? Il va falloir imaginer des choses pour pouvoir réparer eh bien, ce chaos, hein, d'accord? Et tout, nos libertés, ok? Voilà, ça va être primordial. Attention de ne pas vous laisser manipuler par qui que ce soit, d'accord? Parce que là, comment vous dire? Il y a beaucoup de monde qui se sent en train de tomber, hein, d'accord? Voilà. Alors, j'en dirai pas plus, mais bon. Alors, en ce qui concerne l'armée, pour la semaine du 2 au 8 août, s'il vous plaît. Oh là, il y en a beaucoup trop. Alors, on a les taureaux, hein, vous avez vu? Donc, pour moi, ils sont, voilà, encore. Hein, moi, je vous dis, ils sont, voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est que, fausse information. Vous voyez, l'armée est là parce qu'il y a trop de fausses informations. Alors, on va se concentrer du 2 au 8 août, s'il vous plaît. Bon, regardez, les actions sont cachées, d'accord? Moi, je vous dis, hein, tout à l'heure, on a retourné la carte de l'État, d'accord? Donc, c'est eux qui sont commandes. Alors, on a... Il y a eu des blocages et du retard par rapport aux arnaques financières. Donc, vous savez bien, je vous ai dit, le 27 juillet... Bill Gâteau a été arrêté, mais il s'est caché aussi. Donc il a fallu que ce soit Méline, voilà, qui coopère avec l'armée. D'accord? Il y a eu aussi les arnaques médicales. De toute façon, on est dans un monde d'arnaques. Donc, voilà. Et regardez, là, ils sont en train d'arrêter tout le monde. Il y a les arrestations, d'accord? Et on va vers la victoire. Donc, moi, je vous dis que d'ici peu, on va entendre que, voilà, hein, l'armée a pris les rênes, hein, pour ingérence. Et ça arrive souvent, voilà. Ça a déjà arrivé, hein. Et on a le sacrifice. Voilà, donc moi je pense que cette semaine ça va continuer à bouger, mais pas comme il le faut. Voilà, c'est un chaos, mais qui va être en en cours. Hein, voilà, les gens vont se rassembler, vont prévoir des choses et tout ça. Ça c'est voilà. Et ben voilà, je peux pas vous en dire plus. On va faire le tirage du mois quand même, comme ça on verra si dans le mois ça va bouger. Hein, on verra bien. En tout cas, voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, le chaos va arriver. Hein, ça c'est sûr et certain. Malheureusement, il y a encore trop de monde endormi, mais beaucoup commencent à se réveiller. Donc, ben, il est temps. Hein, voilà. Parce que, de toute façon, là, maintenant, on ne peut plus rien faire. Moi, je ne réveille plus personne. Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi. J'ai plus envie non plus de... Alors, déjà, par rapport aux attaques que je reçois, que je ne suis pas bien. Et non, je ne me plains pas. Voilà. Voilà, j'ai plus envie. Parce que, de toute façon, il n'est plus l'heure de réveiller les gens. Les gens doivent se réveiller d'eux-mêmes. Voilà, il y a des choses à découvrir, et malheureusement on ne peut pas les découvrir pour les gens. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure.